Vincenzo Fano, un consiglio scientifico molto ricco di questo centro. C'è anche Bocciartieri, Giovanni Bocciartieri, Vincenzo Fano, appunto, Dario Mangano che è qui con noi, Gianfranco, Tiziana, che saluto di nuovo, Isabella, che purtroppo non può esserci. Come sapete, il senso di questi incontri, come stavo accennando, è quello di far conoscere non solamente il centro, in questo caso il centro è più che noto, ma anche di anticipare quelle che sono le iniziative di ricerca e di socializzazione delle varie attività che vengono sviluppate da questo centro, dagli altri centri e spesso anche in collaborazione tra centri differenti. In tutti gli incontri precedenti abbiamo avuto modo di apprezzare, ecco, la vivacità del nostro panorama. Ovviamente noi mettiamo, come dire, l'organizzazione di questi incontri, ma come dire, la sostanza, ecco, del contenuto, passatemi la battuta, dipende dall'apporto di tutti noi. Quindi grazie ancora per aver aderito a questo ciclo di incontri di presentazione di FEDROS e quindi lascerei la parola a Gianfranco Marrone per la presentazione del centro e delle attività ricchissime che il centro ha portato avanti e porta avanti con riferimento anche al presente e al prossimo futuro, ecco, sperando come tutti di riuscire il prima possibile a uscire da questi schermi e incontrarci di nuovo, sperando il prima possibile anche a Urbino. Prego Gianfranco. Grazie Paolo, je sais de parler en français, mais je ne suis pas seul parce que je condividerai les choses avec les autres membres du conseil. Alors j'imagine que presque tous ou la majorité de vous connaissent déjà le centre d'Urbino, le centre de sciences sémiotiques Umberto Eco d'Urbino. Il y a quelqu'un avec le microphone encore ouvert. Gianfranco, hai il microfono staccato. Oui. Alors, je dois recommencer. J'ai dit seulement que j'imagine que la majorité de vous connaît déjà le centre d'Urbino, et donc c'est un peu difficile de résumer les activités des 50 ans et toutes les choses qu'on a fait. Et moi, je suis là un peu par hasard parce que, comme vous savez, la mort de Paolo Fabbri, il y a un an presque, a fait que moi, c'est moi qui dirige le centre, mais je le dirige avec l'amitié et l'aide de tous les membres du conseil. Paolo était là, entre autres, était la mémoire historique du centre, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un peu difficile de prendre sa place. Alors, je voudrais commencer à faire voir la ville d'Urbino, voilà, qui a contribué aussi à la réussite du centre, parce qu'il s'agit d'une petite ville au centre de l'Italie, une ville magnifique, historique, et avec un palais. Vous voyez ici le palais du duc d'Urbino. Il y a voilà. On a choisi une petite phrase d'Italo Calvino, un écrivain italien, qui disait que Urbino, c'est un peu étrange parce que c'est le palais qui a la ville à son intérieur, pas le contraire. Et la façade du palais, c'est à l'extérieur, donc toute la ville à l'intérieur du palais. Voilà l'organigramme du centre. Moi, que je suis le directeur, les vice-directeurs qui sont aujourd'hui avec nous, Roberta Bartoletti e Vincenzo Fano, et le conseil aussi avec Roberta, Giovanni Bocciartieri, qui est le directeur del Dipartimento delle Scienze della Comunicazione e Studi Umanistici Internazionali, qui n'est pas là per questions pratiques. Moi-même, Dario Mangano, Tiziana Migliore e Isabella Pezzini. Come voyez, il s'agit d'un centre
Anzer Universitaire, perché Troas Universitaire, l'Université d'Urbino, l'Université de Rome, la Sapienza de Rome e l'Université de Palermo. Allora, je ne sais pas si Roberta veut dire quelque chose à propos de la relation entre les départements d'Urbino et les centres, parce que les centres est le siège, la siège du centre est à l'intérieur d'un département des sciences de la communication. Oui, oui, merci à tous. Et là, je parle les salutations institutionnelles de Giovanni qui ne pouvait pas être là. Et parce qu'il est directeur de département et le département simplement accueille les activités du centre qui est en réalité un centre interuniversitaire. Et donc, nous ne sommes pas les seuls qui travaillent dans l'Université d'Urbino avec les activités scientifiques du centre des sémiotiques. Et l'histoire du centre est très ancienne et on a voulu la renforcer, la continuer et donc on est très, très heureux de pouvoir être ici aussi aujourd'hui pour reconnecter des liens, des amitiés qui sont très anciennes. Merci à tous. Grazie Roberta. Allora, un petit histoire du centre. Le centre est né en 1970. La fondation a été par initiative de Carlo Bo, qui était le président d'Urbino, Pino Paglioni e Paolo Fabbri. Et la direction du centre était de Algirdas Greimas. Et dans les conseils, il avait, entre autres, Darko Silvia Valle, Roland Barthes, Hubert Damisch, Giacomo Devoto, Georges Dumézil, Jacques Geninasca, Michael Holliday, De Limes, Claude Lévi-Strauss, Yuri Lotman, Pierre Maranda, Louis Maran, Mihail Pop, Cesare Segre, Steven Ullman, Steven Zolkiewski et Paul Zumthor. Pour une petite période de 2 ans, le directeur était Joseph Curtes, et puis, mais presque pour beaucoup d'années, le secrétariat était de Pino Paglioni, qui a fait le centre avec Maurizio Del Ninno et Piero Ricci, et de 2010, Paolo Fabbri était le directeur pour 10 ans. Greimas, vous voyez ici le collège d'Urbino, le grand collège del monde, del colle, il collegio del colle di Urbino, qui était la siège de séminaire. Greimas a tout de suite proposé un programme annuel de cours de préparation à la recherche en sémiotique avec des boursiers européens et pendant l'été un programme de séminaire de la durée d'un mois. On a retrouvé il y a quelques jours un article de Philippe Hamon qui parlait de la naissance de la sémiotique européenne entre Paris et Urbino. Il y a aussi un texte de Svetlana Todorov qui est un des premiers collaborateurs du centre. Vous voyez ici Carlo Bo et Pino Paglioni, Paolo et Greimas, Paglioni et Lotman. Paolo ancora, e un des collèges universitaires, la siège de séminaire. On a fait aussi un jeu de cartes pour construire des narrations, qui a été publié par Bompiani, qui s'appelle Fabula, il gioco di lei e di lui, qui a été inventé par Eco e Fabbri. Voilà, Eco e Fabbri, vous savez que maintenant le centre est titulé à Eco, il y a quelques ans. En ce qui concerne les séminaires, on a commencé les séminaires avant la fondation du centre, par initiative de Todorov, qui était un des membres du groupe de recherche en sémiolinguistique de Paris. Et avec Todorov, Pino Paglioni organisait des séminaires sur la narration. Vous voyez que les premiers 3 séminaires, 1967, metodi di analisi della narrazione, méthode d'analyse de la narration, l'anno suivant, les structures narratives, e ancora, je ne sais pas pourquoi, voilà, e la troisième, c'est la sémiotique et l'analyse structurale. Vous voyez les noms de gens qui étaient là,
Il y a presque tous, Alexandrescu, Brémond, Cirès, Genette, Linkendens, Marin, Paglioni même, Jerzy Pels, Todorov, Paolo Vallesio, etc. On a choisi de montrer quelques photos avec des gens qui sont été là-bas. Caprettini, Paglioni, Marcarino, Fabbri, Ecco, Carbone, François Julien et des autres ici que vous, j'imagine, connaissez déjà tous. Roberta, Enzo, Giovanni, Paolo, etc. Ici avec Jean-Jacques Buteau, David Le Breton, Christian Bankoff et le public du séminaire. Et voilà, après le séminaire, c'est le restaurant. C'est un moment important, très important du travail du centre. Et en ce qui concerne les séminaires qu'on a fait dans le passé, voilà les affiches de quelques séminaires. Et dans le septembre dernier, on a fait trois petits séminaires sur trois questions différentes, sur les questions liées à la question du poste. C'est la, je crois, la dernière proposition de Paolo qui avait décidé de travailler sur la question du poste, le post-structuralisme, le post-moderne, etc., etc., etc. On avait commencé à travailler ensemble sur cela, mais après on a fait ce petit séminaire qu'on va publier les relations. La question du symbole, la question de la prosémique, qui, comme tout le monde le sait, est retournée à être très importante dans ces périodes de pandémie. On a fait d'autres séminaires sur les problèmes de la compétence, les problèmes de l'Europe, les problèmes de la scientificité des savants. Séminaire sur le design, sur le tourisme, sur la relation vie-mort, sur les problèmes de genre, sur le discours animal, l'objet théorique, Wikipédia, etc., etc. Sur Yemdlev, sur Véron, l'opinion publique, Saussure. On a fait un séminaire sur qui s'appelle Les storie di Barthes, ça veut dire la relation entre Barthes et la storiographie. Et un grand séminaire aussi sur une conférence internationale de l'Association de la sémiotique visuelle. En ce qui concerne les publications, je demanderai à Tiziana s'il veut dire quelque chose sur cela. Tiziana, si elle est là. Tiziana. Oui, merci. merci, Gianfranco. Oui, en fait, alors là, on a voulu mettre dans le PowerPoint quelques couvertures historiques en 1967, donc. Et pendant que le premier séminaire était en cours, Pino Paglioni et Paolo Fabbri pubblièrent à Urbino chez la maison d'édition Argalia un recueil de grimaces, modelli sémiologici, qui constitue la base du sens. Et il faut dire que on est en train de construire l'histoire d'Urbino. Et trouver des choses tellement précieuses, c'est une surprise pour nous. Et c'est grâce à Fedros qu'on a commencé à amorcer cette histoire. Et après, les documents de travail, ce sont les publications canoniques historiques de Urbino. Il y en a 399. Alors, vous voyez ici l'analyse sémiotique d'un discours juridique de Greimas avec un groupe de recherche. Ce sont tous des résultats des séminaires, des travaux qu'on choisissait
qui on a choisissait de publier et donc aussi study of point of view di Boris Uspensky. Là on a choisi quelques couvertures, mais vous pouvez quand même entrer dans le site, dans notre site internet, et aussi décharger ces documents là qui sont numérisés. Le trompe-l'œil de Baudrillard, par exemple, ou le hiatus entre les logiques et les morphologiques de Petitot. À Urbino, on garde ces documents papier et toutes les fois qu'on organise des séminaires, on a l'occasion de distribuer ces publications précieuses. Ancora una nouvelle série de documents. Allora, du 2011, on a décidé de publier une nouvelle série de documents de travail avec la maison d'édition Arachne, et on a publié 10 numéros. Par exemple, vous voyez ici il mito dell'originale di Louis Prieto, qui est une réflexion détaillée sur la relation tensive entre reproduction et original, c'est du 2015. Giardini e altri terreni sensibili de Claude Zilberberg, dirigé par Pierluigi Basso Fossali, une sorte d'introduction à la pensée de Zilberberg, et qui inclut trois contributions majeures sur les concepts de forme de vie. Après, la série Riflessi, dirigée par moi-même, on a publié ici le recueil d'écrit sur i suoi segni à partir d'un colloque organisé à Urbino dans le 2014, et après la découverte des écrits autographiques de Saussure, et c'est une relecture du père du structuralisme. Plus récemment, Usi e piaceri del turismo, dirigé par Luigi Virgolini et Isabella Pezzini, et qui est le résultat d'un autre colloque homonyme sur la sémiotique du tourisme concernant l'expérience touristique, les figures et les discours liés à l'expérience touristique. Et après, la série La tradizione del nuovo chez la maison d'édition Sossella, ce sont sept titres format de poche. Je vous montre, c'est ça. C'est un format que Paolo a apprécié beaucoup, a aimé beaucoup. Et alors, on a publié texte séminal de Paolo Fabbri, Le comunicazioni di massa in Italia, sguardo semiotico e malocchio della sociologia, dirige par Gianfranco Marrone avec son introduction, l'étude de Eco sur les symboles dans 2019 dirigée par Paolo Fabbri, et Ernest Cassire, le structuralisme nella linguistica moderna, avec une préface de François Rastier. Autre publication, on a La sphère homme animale, en 2019, dans la maison d'édition Meltemi, série Bibliothèque sémiotique, dirigée maintenant par Gianfranco Marrone e Isabella Pezzini, sortie d'un colloque de Urbino sur le discours des animaux, dirigée par Denis Bertrand et Gianfranco Marrone, qui porte sur la question des droits des animaux sur la base de la catégorie complexe humanimalité. Et des interdépendances entre les vivants. Utopie et forme de vie, donc aussi des publications internationales. Il s'agit d'un ouvrage sorti en 2020, et un ouvrage collectif dédié à Paolo Fabbri à partir d'un colloque organisé à Albi et à l'occasion du prix pour la solution envisagée par Paolo e Françoise Bastide, des chats sensibles à la radioactivité, qui change de couleur en présence de la radioactivité. Et l'ouvrage est dirigé par Pierluigi Basso, Denis Bertrand et Alessandro Zina pour les éditions Campso Toulouse.
focalise aussi le modes de publication efficaces pour les générations et les modes à venir, les modes de transmission. Après encore, pour conclure, forme de la sérialité oggi e ieri à partir d'un colloque organisé en 2020 à Palerme par Gianfranco Marrone et son équipe de recherche, les livres dirigés par Alice Gianni Trapani et Gianfranco Marrone. Il est autour de la transversalité du concept de la série, de la prolifération efficace de ce concept aujourd'hui pour les éditions Museo Pasqualino. La compétence experte qui vient de paraître, dirigée par Gianfranco Marrone et moi, revient sur le sujet de l'épreuve qualifiant selon propre de la compétence chez Greimas, en essayant de voir comment ça marche à notre époque, c'est-à-dire avec la crise de l'expertise dans plusieurs domaines, la compétence donc de la musique au langage verbal, de la médecine à la diététique, de l'éducation scolaire à la photographie, aux arts performatifs, toujours bibliothèque sémiotique et Meltemi. Et enfin, apparaître d'ici à moi Images of Europe pour la maison d'édition Springer, dirigée par Francesco Mangiapane et moi, qui réunit les articles sortis du colloque homonyme de Urbino, relevant du mode d'existence toujours potentiel de l'Europe politique. Et donc, il s'agit de voir, d'envisager les narrations, les images, les simulacres, antagonistes et conflictuels, qui portent sur la grand-mère de la mythologie, l'Europe comme grand-mère de la mythologie, ou plutôt Sanhedrin des technocrates. Et donc, visant d'un côté la fédération et de l'autre la séparation. Et il n'est toujours par le moyen de textes et de discours hétérogènes sur l'Europe. Bene, grazie Tiziana, merci Tiziana. Il y a aussi, on a parlé de publications récentes, on peut parler aussi de publications futures. On a décidé dans le conseil de faire une nouvelle série de Annales qui va publier le risultati dei colloqui, dei seminari, delle conferenze, eccetera, eccetera. Donc, le premier numero des annali sarà la pubblicazione della relazione dei tre seminari che abbiamo fatto l'anno dernier sur le conseil de poste, le symbole e la prosémique, qui va essere pubblicata dans le mois de septembre, dans le même période des prochains seminaires. Autre publication future, dans la série La tradition del nuovo, de laquelle Tiziana parlait, on va publier un texte de Lottman sur la rhétorique, dirigé par Francisco Sedda, trois textes sur la question des proverbes, de Lino, Fabri, Greimas, un texte très important de Luis Prieto sur la question de la relation entre sujet et objet, qui sera dirigé par Lele Fadda. Et enfin, à la traduction du premier chapitre du livre de Dreyfus et Dreyfus qui s'appelait Mind Over Machine et qui sera traduit et dirigé par Dario Mangano. Enfin, je crois qu'une des choses plus importantes qu'on va commencer il y a quelques semaines sera la numérisation de l'archive. On a dans l'archive du centre presque toutes les registrations, l'enregistrement de colloques, presque 50 ans de colloques sémiotiques. Je ne sais pas si Roberta veut dire quelque chose sur la question de la numérisation, parce que c'est l'Université d'Urbino et en particulier département de communication qui fera le travail. Il s'agit bien sûr d'un gros travail qui sera presque publié dans un an ou deux peut-être, donc un patrimoine énorme pour la recherche sémiotique, pour l'histoire de la sémiotique, mais aussi pour la recherche future.
Oui, merci. Et il s'agit d'un projet pilote de l'Université de Urbino qui avait choisi des archives très importantes dans l'université. Et un de ces archives plus intéressant est celui du Centre de sémiotique, parce qu'il s'agit de beaucoup d'enregistrations audio, des voix, des interactions vivantes, des grandes auteurs de notre histoire sémiotique et sociologique et philosophique. Et donc, on est très heureux d'être arrivé à commencer ce projet et qu'on va commencer la semaine prochaine avec Tiziana, parce qu'on a recommencé à venir ici à Urbino de cette semaine-là. Et, malgré la pandémie, et donc on peut commencer à sélectionner les premiers textes, les premiers enregistrations à numériser pour les rendre disponibles à la communauté scientifique internationale. Et nous sommes très heureux de ce projet. Donc, on va les rendre disponibles sur les sites, je crois, du centre. Bien, merci Roberta. Alors, le futur, au début, Paul avait dit qu'on doit parler surtout du futur, et donc on a déjà parlé de ça. Et, alors, la première chose qu'on fera en mail, le 22 mai, il y aura une conférence de Pierluigi Bassofossali, que tout le monde connaît, bien sûr, qui, vous le savez, il travaille maintenant sur la question des discours programmateur. On avait pensé de faire un séminaire sur ce thème-là, mais on a décidé de le faire l'année prochaine, 2022. Et donc on a demandé à Pierluigi d'anticiper le contenu de sa recherche sur ces questions-là, la question de la programmation dans les discours, les recettes de cuisine, etc. etc. Et après, on a projeté le séminaire de septembre. On ira commencer le 7 de septembre avec une continuation de la question du symbole, ou peut-être on pourra dire mieux au pluriel les symboles, en table ronde sur Paolo et sur les publications récentes qui sont en train de paraître sur Paolo. Mardi, le 7 mercredi matin, on parlera de la question du destinateur, et après un autre séminaire sur la question de l'hétérogénèse et la signification, une table ronde sulla relation entre sémiotique et sociologie, et enfin un séminaire sur la question de la, comme le dit Paolo, comme le dit Paolucci, sur la pré-vérité. Alors, je voudrais demander au coordinateur de ce séminaire s'il veut dire quelque chose pour le présenter. En choisissant aussi la langue, bien sûr. on peut parler sur la langue que vous voulez. Je ne sais pas si Dario et Francisco sont ici et ils veulent dire quelque chose, ou je ne sais pas, des autres. Io ci sono. Parlo volentieri. Sì, certo, volentieri. Non so se c'è Francesco veramente, non ho guardato. Noi stiamo organizzando appunto questo seminario sul simbolo. L'idea è quella di lavorare intorno a simboli ben precisi, quindi stiamo un po', come dire, forzando gli amici e i colleghi a lavorare su alcuni simboli che abbiamo in mente. Abbiamo avuto una risposta molto positiva, devo dire, dagli amici che abbiamo coinvolto. Come ricorderete, l'anno scorso si fece una sorta di teaser di questo incontro che faremo, speriamo, in presenza quest'anno. Teaser a cui parteciparono Juan Alonso, Tatsuma e Paolo
Paolo De Muru, a cui appunto avevamo chiesto di cominciare a lavorare sul simbolo quest'anno, promettendo che sarebbero stati nuovamente presenti ovviamente quest'anno, lavorando però su altri simboli. Appunto, come dicevo, ne abbiamo selezionati alcuni, io non vi vorrei anticipare su quali simboli. No, anticipalo già, dicendo che si tratta di un lavoro in corso, così anche sentiamo se qualcuno ha dei suggerimenti, dei consigli. Assolutamente sì, allora ve lo dico subito, vi dico intanto quelli a cui hanno già detto sì. E allora, vado in ordine assolutamente sparso, cominciando da uno dei simboli, diciamo, più così semplici di cui occuparsi, cioè la croce. Tarcisio Lancioni parlerà della croce. Ha detto di sì? Ha detto di sì. Bello. poi abbiamo Juan che parlerà di Che Guevara. Juan Alonso, sì, scusatemi. Poi abbiamo Ilaria che parlerà. Ilaria Ventura che parlerà del pane. Anche questo un simbolo, niente male. Paolo Peverini, che a meno, diciamo, di ripensamenti, gli abbiamo proposto di parlare della Coca-Cola, mettiamola così, non per non comprometterlo troppo, e quindi speriamo che possa accettare, che voi accettato l'invito, e questo ci fa enorme piacere. Ma insomma, accettato anche il simbolo. Hai accettato anche il cinema, fantastico, grazie. Questa è proprio... In diretta Fedros. No. Poi dice che le sorprese, guardate, il bello della diretta, esatto, quindi con tanto di suspense. Poi vi devo dire gli altri che però sui quali ancora non abbiamo avuto risposte perché stiamo appunto provando a contattare le persone a cui avevamo pensato, cioè Tatsuma Padoan, gli vorremmo proporre di lavorare sulla gondola, per troppo ovvi motivi. Poi Ruggero Eugeni vorremmo proporre di lavorare su Mike Buongiorno, che è un simbolo vintage, ovviamente, ammesso che esistano i simboli vintage. Poi spero di non aspetta un secondo che vedo se mi dimentico qualcos'altro. Dimentichi te stesso. Ah beh, certo, effettivamente, era perché non mi guardavo in questo momento. No, io vorrei lavorare su una roba di design, in particolare sulla lampada arco dei fratelli Castiglioni, su cui aveva già lavorato Pierluigi Cervelli, ma che uso spesso nei miei corsi di design, quindi vorrei provare a rifletterci in questa chiave appunto simbolica. Sto cercando la mail in cui mi sono appuntato tutte queste cose per vedere. No, ma credo hai detto tutto quanto. Perfetto, ok. Queste sono le idee, appunto molti hanno detto sì. Ah, scusatemi, in tutto questo c'è Mauro Puddu che si potrebbe occupare del nuraghe, che anche quello è un simbolo, e poi appunto spero di non dimenticare nessun altro. Ma insomma, il programma definitivo ovviamente arriverà prestissimo, stiamo contattando appunto le persone a cui abbiamo pensato. Merci Dario. En ce qui concerne la table ronde, Giovanni n'est pas avec nous en ce moment, mais j'ai déjà dit quelque chose. Le mois de juin, qui est un an de la mort de Paolo, vont paraître deux livres, un recueil d'essais de Paolo chez Bompiani, que je vais diriger. Il s'agit presque d'une vingtaine de textes. Et une longue interview que Pino Donghi a fait à Paolo Fabbri sur la question du discours scientifique. Et puis, il y a en préparation un numéro de la revue Punctum et une autre revue qui s'appelle Versus, qui sera dédiée à la relation entre les sciences humaines à partir d'un essai de Paolo. Sur la question du destinataire, je voudrais demander à Denis ou à Judith ou à Tiziana, à tous les trois, s'ils veulent dire quelque chose pour présenter le séminaire. Denis? Oui, je vais me remettre en vue. Merci. Bonjour. Oui, bonsoir et bonjour à tout le monde. Tiziana et Judith
Giuditta vont également prendre la parole pour présenter ce projet d'un retour sur le destinateur qui est d'une certaine manière un prolongement de la réflexion qui a été conduite à Urbino et déjà publiée sur la compétence experte l'an passé. Et on s'est interrogé sur le statut de ce concept. Il fait partie de ces concepts sémiotiques dont on se demande pourquoi ils ne font pas partie du vocabulaire courant. C'est un peu le cas de la véridiction, par exemple. Aujourd'hui, la question de la véridiction est tellement prégnante qu'on se demande pourquoi un tel mot n'est pas davantage utilisé pour mieux comprendre les relativisations diverses des valeurs de vérité, de fausseté, d'illusion, etc. De la même façon, le destinateur fait partie, c'était notre constat, d'un concept qui n'a connu aucune popularisation à notre connaissance en dehors du champ restreint de la sémiotique narrative, où il joue un rôle nodal et décisif, puisqu'il ouvre et ferme la séquence du schéma narratif lui-même. Or, il nous a semblé que faire le point sur ce concept était une chose intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, dans le cadre de l'ensemble des réflexions menées sur l'actentialisation et de voir le retour sur le mode interrogatif du statut de l'actentialité et au sein de ce cadre général du statut particulier qu'occupe le destinateur. Et il y a une autre dimension, me semble-t-il, hors la dimension d'interrogation théorique sur ce concept, qui serait plus une dimension de type socio- ou ethno-sémiotique. C'est qu'en est-il aujourd'hui dans la communication sociale de cette actentialité-là ? Et ça devient alors la sphère du destinateur en tant que tel qui est à interroger. Et avec Giuditta et Tiziana, on a échangé pas mal depuis quelques semaines et on a élaboré un texte d'orientation pour essayer de préciser cette transformation du statut du destinateur, l'élargissement de sa sphère, son instabilisation. Et peut-être je peux, si vous êtes d'accord, vous donner lecture d'un petit paragraphe du texte d'orientation. Oui, merci. Pour fixer un petit peu ce positionnement de l'interrogation sur le destinateur contemporain, qui continue à se situer dans la dimension métacognitive qui était celle de son statut originel, mais sans en avoir, si on peut dire, l'institutionalisation. Parce que parmi toutes les figures actentielles de la traditionnelle narrativité, le propre du destinateur, c'est d'une certaine manière son incarnation institutionnelle. Et l'actuel destinateur semble avoir quitté cet habillage institutionnel et avoir changé également son statut aspectuel. Il n'est plus seulement incoatif et terminatif, comme il était dans le schéma narratif, le promoteur du contrat et l'actant de la sanction, mais il est devenu récursif plutôt dans la vie des gens. Il est diffus, intériorisé, fragmenté, et intériorisé comme dans le cas de l'emprise, par exemple, dont on parle beaucoup actuellement. Il formule plutôt qu'un contrat de véridiction, on a appelé ça un contrat de coercition, qui n'est pas nécessairement un contrat de confiance. Il surveille les valeurs plutôt qu'il en est le garant. Il s'infiltre comme un agent double. On fait référence à Paolo, le travail de Paolo Fabbri. Il utilise la séduction, la tentation, l'intimidation, la provocation qui sont déguisées en persuasion. Il est inscrit dans le cycle du profit. Il s'oppose à l'unicité énonciative, à la stabilité et à la permanence de son homologue traditionnel, devenant au contraire une figure de la mobilité, de la labilité et même avec un caractère opportuniste. Il semble ne pas laisser l'autonomie du choix au sujet pragmatique et sa présence souvent secrète
est le plus souvent dystopique. Il utilise des délégués dispersés et invisibles pour exercer son contrôle dans un milieu d'impersonnalité. C'est un peu cette diffusion qui nous fait entrer dans l'ère du destinateur cybernétique et algorithmique qui répondrait à ce vieux rêve d'une harmonie fondée sur le calcul et qui forge aujourd'hui, sur le socle de la révolution numérique, un nouvel idéal normatif. Et on pense, par exemple, on a deux livres de référence auxquels on invite les personnes qui souhaiteront participer à ce séminaire. Le livre de Lev Manovich, Software Takes Command, qui a été traduit d'ailleurs de façon significative et assez maladroite dans la version italienne sous le titre de Software Culture. C'est-à-dire que la dimension du destinateur est carrément effacée dans le titre de la version italienne. Et du côté français, un livre tout à fait intéressant d'Alain Supiot qui s'intitule « La gouvernance par les nombres ». La gouvernance par les nombres qui évoque justement ce problème du destinateur algorithmique normalisé. Voilà ce que je pouvais dire. On a toute une série de thématiques qui viennent nourrir cette réflexion sur le statut nouveau du destinateur. Vous le verrez dans c'est pas la peine, je crois que j'en donne pas forcément la lecture maintenant, mais ce que je crois qui est intéressant, c'est d'avoir une interrogation double sur ce concept, à la fois une interrogation d'ordre théorique pour réexaminer son statut dans la traditionnelle narrativité, dans le cadre des réflexions nouvelles sur l'actentialité, et d'autre part, une interrogation à caractère davantage socio- ou ethno-sémiotique sur sa diffusion et ses formes insidieuses de présence. Merci, Denis. Est-ce que vous avez déjà une liste de participants, de titres de relations, ou c'est encore un peu très... Tiziana, peut-être tu vas pouvoir répondre à cette question. À ma connaissance, c'est prématuré. Oui, mais comme vous voulez. Hein. Oui, on est en train de définir la liste et donc, oui, on a encore quelques doutes. Donc, on diffusera la liste bientôt. Merci. Ok, Judith est là, je ne sais pas si elle est là, si elle veut ajouter quelque chose ou pas. Voilà. Alors, le troisième séminaire de la semaine sera dédié, comme on l'a dit, à la question de l'hétérogénèse et la relation entre hétérogénèse et signification, dirigé par Alessandro Sarti, qui est en ce moment à notre colloque à Paris. Et donc, je demande à Enzo Fano s'il veut illustrer le séminaire, s'il veut dire quelque chose sur le séminaire en question. Oui, merci Gianfranco. Grazie. Je vais essayer aussi moi de parler en français, mais je ne suis pas capable comme mes collègues de Urbino. Non, mais si tu veux, tu peux parler italien ou anglais ou la langue que tu préfères. Mais je vais essayer, j'ai dit pas beaucoup de choses. Je vais dire, avant de parler del séminaire, je vais dire deux choses très importantes. Que ce n'est pas vrai que tu es par hasard le directeur del centre sémiotique, ça a été nécessaire. Complètement. Je te remercie beaucoup. Et la deuxième chose que je voudrais dire est que quand Paolo Fabbri a pris dans ses mains le centre, je lui ai aidé du point de vue bureaucratique parce que j'étais à l'Université de Urbino et Paolo a voulu que dans le centre il y avait aussi une âme scientifique. Il y avait aussi un dialogue avec les sciences naturelles et comme ça je suis dans les comités scientifiques delle centres. Je ne suis pas une sémiotique, mais j'apprends et j'écoute
les activités qu'on fait dans le centre, j'essaie d'établir un dialogue entre sciences humaines, linguistiques et sciences naturelles. Et on a fait, comme tu as montré auparavant, on a fait un séminaire sur la disinformation scientifique l'autre septembre, et cette fois on va parler de la hétérogénèse et de la signification, et avec Alessandro, qui ne peut pas être ici avec nous, comme tu as dit. Et c'est un problème très intéressant, peut-être c'est le problème des problèmes. Et on peut dire que les sciences naturelles sont basées surtout sur le concept de causalité, ma c'est pas très clair come la causalità può essere la base della significazione, e come ça on va parler de ce qu'on a fait dans la recherche, surtout en France, Deleuze, Guattari, Simondon, sur ces problèmes, come è possibile che l'hétérogénèse, c'est-à-dire la changement delle cose dans le temps avec une identité qui est une évolution, comment c'est possible que ça il devienne quelque chose qui a un signifié. C'est ça, c'est le problème. Il y avait beaucoup de très intéressants relateurs dans les conférences. Ici, j'ai la liste que je vais la lire. Noël Bat, Giovanni Citti, Sara Franceschelli, Giuseppe Longo, Federico Montanari, Claudio Palucci, moi-même e Alessandro Sarti. So, vous voyez che dans ces séminaires il y a des scientifiques come Giuseppe Longo, e me, je ne suis pas un scientifique, mais je suis un philosophe de la science, e Alessandro Sarti, un mathématicien, e aussi beaucoup aussi Sara Franceschelli. E scientifique come formazione, e gli ha aussi de studiants che ont une origine diverse dalla scientifique, c'est-à-dire dalla linguistica e dalla semiotica. So, è un seminario très interdisciplinaire, e oui, nous sommes très curieux de voir qu'est-ce qu'il risulterà de ce seminario. Merci beaucoup. Merci Enzo. Alors, on va conclure avec en ce qui concerne la table ronde, on l'a déjà dit, on avait dans la semaine d'Urbino l'habitude de présenter des publications récentes sur la sémiotique. Alors, cette année-là, on a décidé de commencer ou recommencer un dialogue avec les sciences sociales, en particulier la sociologie des médias. Il y a dans notre conseil bien deux savants qui étudient les médias d'un point de vue sociologique. Alors, on a décidé de faire une table ronde ensemble pour présenter les publications sur la sémiotique et sur la sociologie des médias. On doit sélectionner les œuvres et en parler de cela. Je ne sais pas si Robert avait à joindre quelque chose sur cela ou. Papa? Ok. Merci Roberto. Allora, per conclure, per una nuova guerriglia semiologica, come tu le savais, la notione di guerriglia semiologica a été proposée par Umberto Eco alla fine des années 60. Maintenant, la notion a une longue histoire. On a décidé avec Claudio Paolucci e Isabella Pezzini di dedicare una giornata entière le 10 di settembre, non solo le mattine, c'è anche l'après-midi, non so perché ici on a écrit seulement le mattine, tutta la giornata. La notion clé sarà, j'imagine, la questione della pré-vérité. Allora, je demande a Claudio s'il est là, s'il est là. Je suis là. Bien.
Tu veux dire quelque chose sur ce séminaire, s'il vous plaît? Oui, très volontiers, mais Jean-Franck, aussi, si tu me donnes ton OK, je vais parler en anglais, parce qu'avec Tiziana, on avait décidé de faire ça, alors j'ai préparé un petit texte sur ça. Tu peux parler aussi en espagnol, si tu veux, ou en grec. Ah, comme vous voulez. Non, en espagnol, je ne suis pas capable. Je pourrais parler en français, mais quand même, je vais suivre cette petit texte que j'ai préparé, alors... Si j'ai travaillé un peu, j'essaie de le faire. Bien sûr. Comme tu veux. The idea is to you know, reflect a bit on the idea of semiological guerrilla that you know that it was the idea of building a multiple form of resistance against what it was the centralized power of the media able to let the dominant worldview circulate, as Umberto used to define it. But if you think at the time, the media system was reliant upon the formula one man in some way, so the information originating from a source possessing cultural power and then flowed toward the so-called, some time ago, the masses in some way. So Eco suggested that it was better to check the outflow if compared to the source of this flow by switching the focus to the direction of the message. Through the implementation of this kind of semiotic guerrilla made possible by deviating and non-standardized interpretation. So you have the media that tells us something and you have to build some kind of deviating interpretation. So if you think about it, now we live in a world where the semiological guerrilla has won in some way. So it's something that we face every day. And every news, every thing that comes from the world of information in some way has apparently been taken over and has become the default mechanism of many contemporary forms of communication that you know, are based on aberrant denotation, misleading interpretation, concept aimed at constructing knowledge and all that. So to me, the idea of this day is that post-truth, fake news, expertise that are all heterogeneous terms seeking to explain the effect of a semiotic phenomenon that is actually of a totally another type. That is the victory of the semiological guerrilla. This is what happened in some way. So for the first time, all the power of the information, all the power of you know, of politics, the political power, the symbolic power, does not own the power of information anymore in some way, or not in the way that it used to do before. So the idea is how to build new forms of semiological guerrillas in order to face this contemporary status where semiological guerrilla in the Umberto Eco's sense has won in some way. That's the main idea. So, and we will focus on mainly four ideas. So the first one is the emancipative structure of the semiological guerrilla, because in the old version, Eco was thinking the semiological guerrilla were to have an emancipatory function in some way for those belonging to their so-called masses, because they were supposed to overturn their position in relation to the cultural elites in some way. Something happened, something like that happened, but in which form? So in which way has the participation in information, the possibility of becoming local broadcaster and content provider, in which way this has carried on an emancipatory function? This is something that we can reflect upon a bit. The second main idea is what I would call the impersonal structure of the post-truist or the pre-truist, as I will
return on that enunciation within the new condition of the semiological guerrilla. Why? Because the activity of this generalized semiological guerrilla generates enunciates that enters into the encyclopedia, in order to use the Umberto Eco terminology. So these enunciates pretend to have a subject of enunciation, but their structure, in my opinion, is actually broadly impersonal. So it is akin to what Levinas used to call illatism, illatism, c'était moins français. The idea is not an author of the action roughly known, but the nature of that action that has no author in some way. So this kind of impersonal agency connected to the act of the enunciation in the world of the victory of semiological guerrilla. So this is the second idea. The third idea is the idea that Gianfranco used to introduce. This is the idea that usually these things are collected under the name of post-truth, but the name is totally misleading, because what we are seeing is that the enunciate producer usually already believe in and wishes to keep believing what they already believe. So the idea is that they own the truth. They already own it. So it's a kind of pre-truth. And what they want to do is convince the other people that they are right. So this is the main thing. So the key idea of, to me at least, of this debate, the so-called of post-truth, is the idea of belief. So a set of beliefs stand behind the generation of the enunciation not related with opinions or emotions at all. So the idea of post-truth is that you are much more keen to believe in something connected with your emotion or with your, opinions and all that. It's not the case. The idea is that there is something much more connected to the idea that you already have the truth in your hand and you want to convince of what you think the other. So this is here we can face something really nice between habit, so the way of behaving, the tendency to behave, and belief. Because you will see that even if you have a pre-truth, you usually do not behave like the belief that you already have. So it's a kind of belief that does not turn into habit in some way, in order to use a Persian terminology. But we will discuss about that. The last idea, and then I stop. Sorry for being a little bit long. So is the idea of what can be the new form of semiological guerrilla? How we can build semiotic forms of resistance of this way of, building enunciates inside this new semiosphere or infosphere, in order to quote Luciano Floridi. This idea is, to me, is a kind of evaluation of the versions of the world, like when you have to buy a house and you have to make them evaluate it a little bit, which can be something like this idea of evaluation, a new job for a semiotician, a job that in the era of the big data is condemned to extinction in some way. You know that you are not evaluating houses anymore because there is a machine that does that. So the price is made about on the meters and of the zone and all that. So in this big data era, this idea of evaluation of the version of the world that circulates inside our encyclopedia or inside our semiosphere of people that there's a pre-truth can be something interesting reflecting on. So this is the idea of the day. Grazie Claudio, merci Claudio. Alors, on a terminé notre présentation.
Je voulais remercier tout le monde. Je ne sais pas s'il y a quelques questions, quelqu'un qui veut ajouter quelque chose, si vous voulez faire des, poser des questions. Ou on peut aller boire de la bière comme Denis. C'est Didier. Didier. Moi, oui. j'ai pas une question, simplement, je m'aperçois que vous avez beaucoup d'informations qui nous intéresseraient, notamment pour le, nourrir le site internet de la FEDEROS, dont je compte, d'une part, vous avez un programme annuel, ce serait bien de nous le mettre à disposition si c'est possible. Oui. Ensuite, voilà, j'ai demandé à Tiziana tout à l'heure de m'adresser notamment le mail pour les doctorants. Voilà, moi, j'ai besoin de ce type d'informations, notamment pour, le, pour construire, en fait, la newsletter, et c'est aussi une annonce que j'ai faite à tout le monde, plus il y a des informations, plus je nourrirai la newsletter que vous recevez logiquement chaque fin de mois. Voilà, c'est juste une demande comme ça, très matérielle, avant la bière. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre présentation qui, était, qui donne envie, notamment aussi, et qui montre en réalité toute la force de la recherche scientifique de la, dans de l'espace romain. Merci beaucoup. Merci Didier. Oui, bien sûr, on va terminer de préparer le programme du séminaire et on te l'envoie tout de suite. D'autres questions, d'autres... J'ai une question. Stéphane et Caliandro. Oui. Juste, je voulais savoir si vous allez faire des calls et donc ces séminaires sont ouverts ou ça procède seulement par invitation. Et l'habitude du centre a été de faire des séminaires par invitation. Mais bien sûr, si vous avez des idées, des propositions à faire, on est encore en temps pour ajouter d'autres choses. Il y a bien sûr des problèmes de financement, mais on peut parler aussi de ça dans une autre situation. En général, les séminaires sont ouverts dans le sens que tout le monde peut participer, assister, écouter, etc. Mais je me répète, si vous avez des idées, des propositions à faire, on peut les faire et on peut discuter de cela. Par mail, bien sûr, pas maintenant. Hein? Oui, en fait, c'est très difficile d'organiser un colloque en savant encore, pas encore bien si on fera ça, les séminaires en présence. Et donc, on a des doutes aussi sur l'organisation. On espère de faire les séminaires en présence, c'est évident. Quand même, justement, si les sujets que nous avons lancés vous intéressent, vous pouvez nous écrire. L'adresse est semiotica@uniurb.it. Je voulais dire quelque chose. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Et m'excuser de n'avoir pas entendu la présentation, mais on a reçu en disant que ça continuait à 3 heures au Brésil, mais comme il y a eu un changement d'heure de l'horaire en France et pas au Brésil, alors chez nous, ça devait être à 14 heures, pas à 15 heures. Et comme c'était marqué 15 heures, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait eu ce changement. Et je crois que d'autres Brésiliens aussi ont eu le même problème aujourd'hui. C'est dommage. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Oui. Bon, je m'excuse de ne pas être là, mais c'est parce que je n'ai pas su ça. Alors, je ne me suis pas rendu compte de ça. Merci beaucoup. Merci, Diana. Excusez, mais parce que c'est moi qui suis rendue.
tard, grâce à Maria Giulia qui m'a fait un mot disant que en Europe les horaires ont changé. C'est la même chose pour nous. Au dernier moment, j'ai pu envoyer des messages à mes collègues turcs, mais au Brésil, c'est vrai que je n'ai pas pu vérifier. Il faut m'excuser, mais bonne nouvelle, c'est enregistré et nous allons les publier sur notre site Fedros. Voilà. Parce que c'était une rencontre très, très riche et très motivante. Et c'est dommage que mes collègues brésiliens ont raté, mais de toute façon, ça va être publié, voilà, mis en ligne. Bon. Franco, volevo dire che Isabella mi ha mandato un messaggio e ha provato a connettersi dal cellulare, ma con una serie di problemi non è riuscita a farlo, quindi tutti quanti. Sono molto contento che ci sia una registrazione di questi incontri, che quindi, come ha detto Nedrè, troverà posto sul sito, e questa è una cosa molto, molto importante per alimentare con i contenuti il sito di Fedros. Grazie molto di questa bellissima presentazione, di questa panoramica delle tantissime iniziative che sono state fatte da questo centro nel corso degli anni, il centro di riferimento, e del programma ricchissimo di eventi che speriamo di poter seguire, molti di noi almeno, ecco, speriamo, in presenza, anche se, come giustamente ha detto Tiziana, in questo momento non è facile ancora avere le idee chiare su come tutto questo si potrà organizzare, ma siamo sicuri che saranno degli incontri di grande interesse per tutti quanti noi. Grazie, sì, forse avevo dimenticato di dire la cosa più importante, cioè che stiamo scommettendo di fare in presenza questi seminari di settembre, con tutto quello che significa scommettere, cioè si può vincere, ma si può anche perdere. Allora io vorrei ringraziare tutti quanti. Che è successo? Ma dicevo, ma vale la pena di provarci a scommettere? Sì, certo, infatti. Io vorrei ringraziare tutti quanti per l'ascolto, vorrei ringraziare Fedros, Nedret soprattutto, che avevo dimenticato di ringraziare all'inizio, che è quella persona che ha organizzato tutto quanto, e come si dice, vi aspettiamo a Urbino. Grazie, merci ancora a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Merci, grazie. Merci beaucoup. C'était très très intéressant. Très motivant, très intéressant. Merci beaucoup. Istanbul, on vous attend. Ah, à Istanbul, sûrement. Oui, alors. Ciao a tutti, grazie Gianfranco, grazie Tiziano. Ciao, grazie a tutti. Grazie. Ciao. Merci. Teşekkürler. Merci, teşekkür.